Camille, tu as entendu mon tambourin? C'est l'heure de l'histoire. Ouvre grand tes yeux pour voir les images. Tire très très fort sur tes oreilles pour bien écouter. Et ferme ta bouche. Toc, toc, toc. Là-bas, loin dans le pré, un petit ver tout nu, ce matin, a trouvé une pomme charnue. Roule la pomme, trotte menu, le petit ver tout nu s'en va chez la chenille. Toc, 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 j'ai un cadeau pour toi, chenille. Oh, je me maquille. Chenille, je t'attends. Je me brosse les dents. Toc, 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 chenille, qu'est-ce que tu mijotes? Je mets ma culotte. Toc, 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 chenille, ça y est? Je mets mes colliers. Toc, 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 chenille, il va être trop tard. Je mets mes bottes noires. Toc, 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 chenille, dépêche-toi. Ça y est, me voilà. Mais où est mon cadeau? De la pomme que je t'ai apportée, il ne reste rien. Tout a été croqué. Tout juste 8 pépins que personne n'a mangé. Dame Papillon les a emportés. Au vent, elle les a jetés. Et dans le pré ont poussé 8 jolis pommiers. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Au revoir. Si tu entends mon tambourin, il y aura une autre histoire.